Rebonjour. Bref, du coup, on se retrouve à peu près dans la même situation tout à l'heure. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas fait le salut. C'était une convention, mais au final, je l'ai pas fait. Je le referai à la fin. Je suis désormais influenceur. Il faut que j'habitue mon public à quelque chose pour faire en sorte qu'on me retienne. C'est comme ça que ça marche. Bon, allez, bref. On va contacter Jude. Alors, Jude, t'es là? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Oui. Alors... Essayez de signer ton statut et... De signer mon statut et de demander le tien. Ouvert. Non, on va dire stop, voilà. Stop. Tu veux dire la lanterne? Je m'y connais pas en code morse. Jamais je n'utiliserai un code aussi déchiffrable, enfin aussi facilement déchiffrable. Stop. Il y a des agents ennemis partout. Stop. Attends. Des stops. Attends, je n'ai toujours pas confirmé ta situation depuis la rencontre avec le serpent ennemi. Stop. Allez, please report by Tassius. S'il te plaît, mes mots au chu. En vrai, il utilise un jargon un peu militaire, mais j'ai la flemme de... je suis traducteur. Ton statut, de tout morsure. Combien et à quel point c'est pas bien. Stop. Alors, je vais bien. Pas ouf. Bon, en vrai, je vais bien. Ok, cool, j'étais... Bah, par contre, je crois que j'ai... Sur Fresh, j'ai fait un double clic et du coup, j'ai skippé. On va dire... Je vais bien. Alors, super, j'étais inquiet. Stop. Alors, ça me rappelle, après que j'ai fermé la porte... je lui ai fermé la porte au nez, je crois que je l'ai entendu... le bouger jusqu'au... Comment on avait dit ça? Pour descendre les escaliers. Je pense que tu devrais pas quitter ta cavane avant un petit moment. Alors, à mon avis, c'est sûrement revenu vers toi. J'ai pas l'intention de quitter mon emplacement actuel. Il y a le jardin qui est plein de d'une avant-garde cryptique. Stop. Ah, t'attends alors. Une avant-garde cryptique. Mais je comprends, moi, donc... Bah, t'attends. Négatif, stop. Quoi? Pourquoi? Putain, mais j'arrête pas de faire des machins, je crois. Je skip du texte. Attends, y'a pas moyen... Y'a pas des logs? Merde, non. Alors, attends, Il pourrait y avoir des agents additionnels cachés en approche. Je veux dire plus de monstres ou je peux pas discuter sur un merde quelque chose de pas sécurisé, voilà. Un réseau pas sécurisé. On peut pas être certain de qui écoute. Mais toutes les preuves pointent vers une cascade complotique de classe Antares, c'est la fondation SCP. Docteur Jude, putain, ça me rappelle. Oh là là, je vais pas le raconter, mais en gros, j'avais voulu faire un crossover SCP et IceSwap. Bref, vieux projet qui n'aboutira jamais parce que c'était pourri. Bref, what? Oh là là. Quoi? Stop. Je suis. Soulagé que tu prends ça sérieusement. Est-ce que tu es complètement préparé à commencer les opérations à venir? Y a pas de going back de... Ah, c'est un tu arrives, y a pas de retour, voilà. Je suis traducteur. Maintenant je me foutais de ta gueule. Regarde. Je vais nulle part. La confiance est cruciale sur un champ de bataille, Joey. Vive présence au foster.
la soudaine présence de monstres a chassé l'équation de du scepticisme typique. Stop. Allez, je te crois. Je suis sympa. Ok. Je comprends, c'est juste. D'accord. Qu'est-ce que je veux savoir? Ton emplacement, il est pas sécurisé. Ta vitre, elle est juste devant le jardin. Donc ton emplacement, il est un peu compromis. Donc la situation commence vite se détériorer. Tu dois te casser au grenier, Joey. Le grenier? Oui, le grenier. Avec le joueur. Alors, porte solide. Avec plein de matériel. Tu prends la gauche à partir de la chambre et tu montes l'escalier. C'est la salle la plus haute, la pièce la plus haute dans la maison. Non, mais je sais ce que c'est un grenier, Jude. Putain, mais même dans la VF de Inazuma Eleven, il prononce Jude. Arrête de prononcer ça, Jude. C'était juste une suggestion bizarre. C'est quoi ces nouvelles encore? Encore plus de bêtises venant de mon frère lunatique dans sa cabane. Je comprends pas. Tu as l'air confuse. J'essaye d'aider. Ok, en fait, ferme ta gueule. Je vais y aller, je vais fermer la porte et tu peux appeler notre babysitter, évidemment. Parce que évidemment, non, on fait pas ça. On fait ça. Parce que ça, c'est pas bien. Ça, non. Voilà, je fais une croix. Je sais pas si ça capture le curseur parce que je crois que j'ai mis non. Bref. Ah, appelle notre babysitter. Ah là, c'est trop tard pour la arriver à l'appeler de son jour de travail au labo. Ah oui, ça arrive pas. T'as raison. Ouais, je suis d'accord. La visiteur, c'est une combattante de conflit. Capable, ça pourrait aider quoi, à faire pencher la balance. Ça pourrait même m'aider à te convaincre de te mettre en sécurité. Bon, je vais y aller dans ce stupide grenier, d'accord. Je suis désolé d'être méchante. Est-ce que t'as ton arme? Quelle arme? Quelle arme? Tu veux dire ma vieille arme? Pourquoi faire? Il y a les serpents qui sont partout. Tu veux dire les combattre? Avec une lampe torche? Ok, tu... Don't blame you for... Alors, je te blame pas pour être nerveuse Je ne blame pas ta nervosité au vu du nombre de serpents qui se baladent, quoi. Tu dois être courageuse. Ton frère croit en toi et sait que tu peux leur niquer la gueule. C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais je suis traducteur. Arrête de dire serpent. Est-ce que tu te souviens où l'arme était? L'arme est... Oui. Ouais, c'est dans la penderie. Non, dans l'armoire, enfin je sais pas comment on dit déjà, la buanderie. Enfin, c'est comme ça quoi, là, le truc à gauche là. Bref, ouais, compris. Alors, c'est parti. Non, je veux dire le truc dans le hall. Merde. Bon, fini. Ouais, eh bien, je pense que je vais devoir te prendre au bout, hein. Est-ce que tu es sûr de tout ça? Ah, je suis positivement. Oh, je me souviens plus du truc de Red Wheat. Oui, je suis certain. Stop et fin. Squirt. Idiot. T'as l'air content, non? Hop, elle avait l'air inquiète, là, elle a le sourire aux yeux. Alors, on va allumer les lumières déjà. Oh! Oh! Oh putain, la merde! Attends, je vais d'abord. Ah bah, c'est quand même mieux! Alors, attends. Alors, nous sommes le 11 novembre. Et aujourd'hui, ça a commencé comme tous les jours.
le typique lever de soleil, les oiseaux moqueurs qui gueulent comme des forcenés. Mais leurs chansons ont vite arrêté. Maintenant, il y a quelque chose qui fout la merde. Vous êtes pas vraiment sûr de ce que c'est, mais c'est pas des oiseaux. Et c'est certainement pas des hérissons. C'est pas traduisible. Enfin, c'est pas traduisible à l'oral comme ça. Sans faire une recherche, enfin sans faire de la recherche, sans. Bref, je suis traducteur. On dirait que la voie est libre pour le moment. Alors, il faudrait peut-être se dépêcher d'aller au. Du coup, la penderie du hall et de récupérer votre arme avant que ce vieux serpent de ses morts. Enfin, ce serpent. Ah, et putain, c'est vrai qu'ils font la différence entre les deux, les anglais. Putain, vous êtes chiants! Donc, faut mettre la main dessus. Plutôt le croc dessus. Alors, qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que... Donc, je devrais récupérer ma vieille arme du machin, et après, je fais au. Tout en haut, quoi. Ouais. Et aussi, tu devrais arrêter de l'ouvrir. Ouais. Ça pourrait alerter les monstres. Oui, c'est bon, j'ai compris. Allez, je m'en vais. On peut pas être trop prudent quand on espionne, jouer. Le silence est dehors. Jude, ferme ta gueule. Oh putain. Une fois, je pouvais pas le. À un niveau, au moment d'une mission entraîneur, je pouvais pas la fermer, ça nous a foutu dans la merde. T'as jamais eu aucune mission d'entraînement, j'éteins le walkie. Au revoir. Stoppé. Ferme ta gueule. Alors, on va revérifier les trucs importants. Alors, ça déjà. Alors, c'est une sculpture à forme de globe, un globoïde, avec une flèche qui pointe de manière finalement très conveniente. Très conveniente. C'est pas français, monsieur. Enfin, c'est correct, mais bon. Très pratique. Et qui vous alerte donc de l'emplacement du plafond. Ah, donc c'était ça. Merci, sculpture en forme de globe. On va la faire tourner où ? Vous donnez un petit coup. Ouais, c'est trop beau, c'est trop rigolo. Et il y a ces stimulants. Alors ça c'est... Alors... Alors, cette merde là vous a toujours foutu les jetons. Mais ça ne vous a pas empêché de le... Comment dire, patching it up. Enfin, de le rapiécer après que Jules l'a accidentellement déchiré après une foamless. Après une accidentelle, après avoir lancé un dard expérimental, et pas en mousse. Sachez, je suis traducteur. Donc ça, le truc là. Ah oui, les résultats de la première et dernière guerre des dards. Des dards, mais putain, c'est des fléchettes, connard. Des fléchettes. Il y a une fléchette avec Jude. Jude. Belinda vous a aidé à être bien caché pour ceux qui refusent d'utiliser des armes à feu, à savoir vous. Vous essayez de le distraire avec vos claquettes. Et vous lui avez envoyé une fléchette sur la gueule. Ça a pas marché du tout. Alors. Oui, c'était ta gueule. Mais le truc c'est que. Le problème c'est que quand tu joues à Danganronpa, et que tu vois un truc rose comme ça. Bon, la première chose, c'est du sang. Le problème c'est que bah là le sang est rouge. Donc
c'est du jus de raisin. Enfin, du jus de raisin, du jus de framboise. Donc, bref. Ouais. Waouh. Waouh. Alors. Putain, la vache, les machins qu'il y a. Alors. Alors, voici la chambre jusqu'à là. La chambre du... La chambre super sécurisée de l'andouille neurotique. Je sais pas trop ce que je veux dire, ça, mais... Notre... qui vous sert de frère. Il la garde fermée parce que, bah... Y a, de toute façon, il y a plein de trucs de complot qui se cachent derrière, quoi. Enfin, il fait des complotiques. En fait, vous doutez vraiment que vous voudriez entrer dans cette chambre, hein. Mais vraiment, pourquoi vous voudrez vraiment? Il y a plein de trucs de nerd qui... Enfin, ça gelait bizarre, ben, truc gluant. Bref, ça pue. En plus, c'est là où il y a son animal qui est dans notre compagnie. Sa bestiole, voilà. C'est là où il y a sa bestiole. Alors, vous adorez tous les animaux. Mais genre, avec le même amour. Mais franchement... Ah non, vous aimez tous les animaux, mais là, c'est tout la même... Avec la même... En parlant des trucs complets, etc. Je pense que vous allez laisser juste s'en occuper. Hein. Il la ferme toujours. Même si vous arrivez à vous entrer, il a probablement des pièges. De toute façon, c'est même pas essayer de... ça vaut même pas le coup de... De devoir enlever des chewing-gums de votre cheveu. En plus, il y aurait besoin de s'occuper de sa bestiole. Donc, merci, mais non merci. Et quoi? Alors, vous avez toujours, ça vous a toujours fait un peu... foutu un peu les jetons, les monstres dans l'eau. Enfin, là, avec le monstre de l'eau, vous avez foutu toujours un peu les cheveux. On dirait que son œil vous suit. Mais seulement quelques fois. Oh merde, il y a Kiki. C'est le Kiki de tous les Kiki. Voilà, c'est la Kiki. Bref. Alors voici la buanderie. Alors si votre mémoire revient, il y a une boîte pleine de vieux trucs dedans là-dedans. Vous demandez si à ce que vous cherchez quoi. Alors open. Alors, nous avons donc des habits, des machins, et... Alors, cette boîte, il y a sûrement le truc que vous avez besoin, mais vous pouvez pas l'atteindre. Vous demandez quel va être votre prochain pas. Clin d'œil. En vrai, vos chaussures pour faire des claquettes, c'est sûrement la solution, en fait. Si vous pouvez faire des... Vous pouvez faire quelques chocs pour faire tourner la boîte. Enfin, si vous pouvez faire des petits pas... vous arriverez bien à faire tomber cette boîte. Vous pouvez pas chercher, examiner la boîte tant qu'elle est encore là-haut. Et voilà, alors... Je me demande ce qu'il y a dedans. Encore rien de fragile, vous espérez. Alors, vous cherchez la boîte et vous trouvez votre... lampe torche et une vieille paire de ballet slippers, de ballerines quoi. Voilà quoi. Merde alors, de ballerines. Ça va vous être utile. Oh, et il y a des nourritures pour enfin, il y a des croquettes. Voilà. C'est pas exactement ça, mais je suis traducteur. Vous en foutez partout. Vous les cachez partout. Jamais. Y a pas de mauvaise occasion de. Enfin, qui sait quand vous aurez le besoin. Putain, je suis traducteur. Qui sait quand vous aurez le besoin de la bouffe à un animal. Alors, vous essayez d'allumer votre lampe torche. Et. Ça marche pas. Encore un problème de batterie. Vous l'ouvrez. Attends, mais y a pas de batterie ici. Y a juste plein de pogs. Bordel de l'air, Jude. Jude, arrête de l'appeler Jude. Il s'appelle Jude.
Alors, j'ai trouvé ma vieille arme. Et devine quoi, il y a plein de bugs. Des bugs de merde. Merde, j'ai oublié de les... Merde, je les ai oubliés. Attends, est-ce que tu peux les mettre en sécurité? Non. Non, non, je les jette, là. Jouer, s'il te plaît. C'est mes préférés, s'il te plaît. Mais je les jette pas vraiment, espèce de sale nerd, pour qui tu me prends? Merci, stop. Donc, bah, du coup, là, je joue au grenier, hein. Ouais, c'est le plan. Bon, bah, je vais me brouiller, hein. Affirmative. Allez. Avec un petit sourire, là. Elle est tellement heureuse. Alors. Il y a plein de merde, hein. Donc là, c'est la porte du grenier. Alors, dans les rares occasions où il est à la maison, il y a... On peut entendre le papounet en train de faire en train de danser la Java... danser la Java là-haut. Alors qu'il est en train de balancer ses trucs, sa merde antique, là. Ou alors des artefacts sans valeur. Bon, en fait, non, c'est de la merde, voilà. Alors, c'est fermé. Vous avez besoin d'y entrer. Vous avez besoin d'y entrer, voilà. Je suis traducteur. Vous regardez, quoi. Attends. C'est bizarre, ça. C'est quoi, cette merde? Et depuis quand c'est là? Et il y a la porte du grenier qui est fermée. Oups, j'ai oublié. Erreur tactique de ma part. Non, 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 c'est bon. Non. Pas grave, j'ai juste laissé ma chambre parfaitement pour qu'elle se fasse bouffer. J'ai juste quitté la sécurité, enfin, que m'offrait ma chambre pour me faire bouffer par des monstres dans les couloirs, parce que mon idiot de frère m'a envoyé dans la sécurité que m'offre le mauvais côté une porte fermée. Non, non, mais c'est pas bien. Et Jude, la panique n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Oui, tu feras sécurité, ouais. Bon, bref, je te crois. Oui, j'apprécie ça. Même si, pour le moment, ça n'a pas encore payé, c'est vrai. Joey, s'il te plaît, j'ai juste besoin que tu te tailles à la salle des trophées. À mon avis, c'est sûrement ça qu'il a dit. Oh, j'aime pas cet endroit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'il a même besoin d'une salle des trophées quand notre maison entière, c'est juste son... c'est juste sa décharge pour toute la merde qu'il ramasse dans ses aventures à la con. C'est grossièrement une traduction de ce qu'elle dit. Je suis traducteur. Tu vas trouver la clé du grenier là-bas. Allez, les futilités mystérieuses de notre... Du père absent sont pas importantes. Ok, d'accord. Allez, hop, c'est la fin. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des logs? Il n'y a pas des logs. Ok, d'accord. Putain, j'ai juste fait un aller-retour. Alors, allez, on se barre. Pom palam palam. Merci. Alors, du coup. Alors, on va déjà. Alors, quelques grandes photos et portraits de votre. Votre à peu près famille cool, hein. Vous décidez de jeter un regard un peu plus voilà, en détail. Alors papounet, enfin, je vais dire, j'utilisais papounet parce que j'ai la flemme de chercher un terme. Alors avant était super bien avec les animaux. Vous demandez ce qui s'est passé. Peut-être une trahison.
Non, impossible. Regardez à quel point ce chien, ce toutou était... C'était un bon toutou. Ce chien n'aurait jamais trahi personne dans sa vie entière. Vous mettrez votre réputation entière à couper. Mais genre l'entière, votre entière réputation. Vous pouvez même pas regarder cette image. Vous déplorez la cruauté faite aux animaux. C'est l'un des nombreux domaines où vous étiez en désaccord avec votre père. Puis l'un des autres sujets était le fait qu'il vous a jamais vraiment, s'est jamais vraiment occupé de vous. Non, je traduis grossièrement, hein, donc finalement ça, les blagues ont pas de sens. Je suis traducteur. Maman est là. Et l'incarnation de la grâce, de la radiance. Merde. Mais du coup, Jout, c'est qui? C'est c'est le Shade Lord. Sérieusement, est-ce qu'il a vraiment... Il a vraiment jamais changé son apparence? Des fois, vous demandez s'il était né avec ses... Avec ses lunettes ou sa moustache. Au moins l'un des deux, quoi. Vous et Jude avez plein de mémoires cool avec votre babysitter. Et en ce moment, plus qu'avec maman et papa combinés. Vous êtes toujours... je voulais toujours considérer comme une sorte de... De grand enfant cool et fun que vous avez toujours voulu être. Jusqu'à ce que vous soyez assez vieille pour réaliser qu'en fait, niveau modèle à suivre, c'était pas vraiment la bonne idée. Vous demandez à quoi ressemble sa famille, même si c'est vraiment pas le bon moment pour demander. Bon, y a pas vraiment d'image de vous trois ensemble, donc vous essayez d'en faire une. Avec l'art de la composition photographique. En mettant ces trois images ensemble, c'est comme s'il y avait une photo de vous trois à la fois. En quelque sorte. Un triptyque, un diptyque, voilà. Et un diptyque... Lovely. Un très cool diptyque de portrait d'école. Le fond laser. Les jours des cheveux en bataille. Ah, la perfection. Jude, le type. Oh putain, il s'introduisit, bordel de merde. Une dip dans diptyque. Vous dites. Real burn on the spitting shop. Putain, c'est intraduisible, c'est quoi? Enfin, c'est traduisible, mais c'est intraduisible à la va-vite, merde. Bon, en gros, il est cool, voilà. Il est cool, il sait pas. Mais peut-être beaucoup aussi, voilà. Bref. Alors, pas quelque chose que vous présumez être sa sœur? Non. Il a jamais mentionné, mais en même temps, vous parlez pas vous ensemble. Un peu bizarre de penser que peut-être que vous avez peut-être un second cousin que vous n'avez jamais rencontré. Peut-être qu'elle est morte jeune. Ah là là, la vieille époque était pouvait être plutôt dure, pouvait être compliquée. Ah, vous être votre bon chien. Très bon chien. Oh. Ah. Oh là là. Putain, c'est cette imitation du français. Ah, voilà votre mom qui est très magnifique. Quand vous grandissez, vous espérez que... les miroirs, ils se ressembleront à ça. Pom pom pom. Alors, oui non.
Alors ce type, pourquoi il est si heureux en fait? Son expression faisait plus de sens dans son contexte original. Non. C'est sûr. Dans peu importe quel tombe ou temple ou je sais pas quoi, vous savez pas quoi, dans quel votre pas l'a déniché. Oh, well. On dirait que, panne. Ça rend, ça l'est trouvé comme une véritable aventure. Savoir, l'aventure que vous n'aimeriez peut-être pas en voir en ce moment. Et je pense que je... Ouais, ça va bientôt faire 30 minutes à peu près qu'on enregistre. Enfin, je préfère me limiter à 30 minutes, en fait, je pense que c'est plus simple. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour le moment. On conclut donc ce deuxième épisode, hein. En fait, c'était plutôt rempli par du blabla, mais en même temps, c'est un point and click, hein. Pour le moment, le gameplay il est pas encore présent. On t'apprend le texte, etc. Enfin, on t'apprend le contexte plutôt. Le lore. Donc voilà. Et bref, je pense que ça sera tout pour le moment. Et je vous dis salut.